Ça commence bien. Ça commence bien l'équipe. Masque rouge le meilleur. Vive Masque rouge. Bonjour. Va? Oui, ça va. Vous avez vu mon frère? Yuri, tu l'as pas vu? Je cherchais, j'aurais. Yuri? 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 Il est où, merde? Là-bas. Oh, Yuri! Ça va? Ouais, ça va. T'es prêt? Ouais, ça va. Bon, allez, vas-y, viens, on rejoint les autres, ils sont là. Tu vas bien? Je pense qu'on est arrivé à destination, mais je suis pas sûr. Tu penses qu'on est arrivé? Costume rouge? Tu penses qu'on est arrivé là? Ok. Viens, on rejoint les autres. Je me perds dans ce truc là. Qu'est-ce que c'est là-bas? Bonjour.
Ça va? Il a dormi. Il a dormi. Oui. Je pense qu'on arrive en Amérique ou pas? Ah. Apparemment. Comment il s'appelle celui en costume rouge là? Ah d'accord. Ok. Yuri? Ça va? Moi aussi. Mais ça va. Apparemment, je sais pas trop. Apparemment, je sais pas. Je sais pas trop. Je crois qu'on va devoir les attendre. Non? Attends, je vais aller voir le. Je vais aller voir le. Le. Ouais. On est en Amérique. Ça va? C'est comment l'Amérique? Vous avez déjà été où? Ouais. Wow. Pourquoi on est mal vu ici? Ok. Bonjour Pavel. Bonjour. Oui. Il est content, Pavel, de venir. On vous attend en bas, que si moi je connais pas votre prénom. On est arrivé. Ouais. Après une semaine. Ouais, bien que. Par contre, je crois qu'ils vont un peu nous niquer là. On n'a pas débarrassé la cuisine. Bah, y a que nous, hein. Ah oui. Oui. Bah, faut Yuri? Ouais.
Bon, bah. Je sais pas. Je laisse là. Je sais pas. Fait chaud aussi. Manteau. Jean. Bien et vous? Il fait chaud, on est mec. Ouais, super, super. Il faut s'entretenir, mais sinon ça va. Bonjour. Vous allez bien? Il y a encore, il n'y a pas tout le monde là. Oh oui. Ah, il fait chaud ici. Rejoignez une activité dans votre téléphone. On peut s'asseoir? Excusez-moi. D'accord, je vais pouvoir. Ah, ok. Tout va bien. Parce qu'on, je pense, c'est parce qu'on est sur une mer haute. Hello, Yori. Qui s'ouvre dans sa radio?
Super, je vais bien. Et vous? Ouais, j'ai compté. Oui. 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 Alors moi je m'appelle Vadim Razouva. Je suis venu ici avec mon frère. On s'est fait recruter. Enfin, on s'est fait recruter. Je vais pas dire ça comme ça, mais. Moscou. On n'avait plus rien. On n'a plus rien à perdre, donc. On est venu là. Da.
Da. Des oracles et... Ah. Je m'en occupe. D'accord. Da. Tout à l'heure. Vous pouvez dire sur votre radio, s'il vous plaît. Ok. Yuri, t'as un... Ok, super. Ouvre ton téléphone, si t'as une activité, rejoins-la et quitte-la après dans le menu.
va l'attendre. Ça a l'air sympa, hein. En Amérique. Bah non, Falch. Ah, on arrive, vas-y. Allez, l'autre bord là, ah, sur ta gauche. On va voler, te salis pas les mains. Garde-le en tête là, le champ, je garde les deux oracles. On arrive, Valentina. Ouais, mais te salis pas les mains, voilà, on va le faire. Tente à droite, il y a un passage. Non, je vais l'installer après. Sois discret, Yuri. On arrive, ouais, mais te salis pas les mains, sur... Oui, je te fais confiance, mais... Ok, j'ai la position du concesse. Attends, c'est quoi ton numéro, Valentina? Ah bah t'es là. Envoie le volant. Tu sais où c'est? Non. Te plains pas, t'es traité comme une reine. La porte. Porte, elle est pas ferme. Mal fermée, la porte. Alors, c'est ça l'Amérique? C'est une presse. Regarde à droite. Regardez à droite, regardez à droite. Faut qu'on soit discret. Et ne dites pas vos vrais prénoms. Écoutez-moi. Oui, ouvre la fenêtre si tu veux. Délicatement. Valentino. Surtout, ne dites pas vos vrais prénoms. Ok, il y a quoi comme truc américain? Je m'appelais Will Smith. Ah ouais? Lewis? D'accord, vas-y. Lewis. Jennifer. Ok, Jennifer. Et toi, Yuri? Johan. Johan, Lewis, Jennifer. Johan, Lewis, Jennifer. Ça a l'air d'être grand cette ville. Dans le sous-marin. Quoi? Un Glock. Il y a des palmiers? Regardez, regardez le palmier, regardez le palmier.
Maintenant. Attends, on va mettre de l'essence. Tu veux te salir les mains? Vas-y. Ah oui. C'est Roucas. Oui, on paye plus tard, on arrive, on paye plus tard. Oui, je suis en position sur GP, j'ai regardé sur Google, ils appellent ça. Mais c'est bizarre, hein. Ah ouais, Google. Gargal. Bon, n'oublions pas. Wow, le Range Rover. Ok. On va établir un plan avant d'y aller. Je m'occupe des révolteurs. Jennifer. Des révolteurs. Oui, des oracles. Parce que on va parler de. Jennifer, tu sais ce que tu dois faire? Ok. Ah, Amadou. Si je vois que je peux pas avoir. Non, 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 non. Si tu vois que je peux pas avoir une remise, fais les yeux doux. Oui, c'est là. Oui, fais les yeux doux, fais les yeux doux. Fais les yeux doux. Allez, concentre-toi. On se concentre. On en alliance avec l'Algérie. Qu'ils font là? Bonjour. Quelqu'un là? Bonjour. Vous pouvez inviter à radio, s'il vous plaît. Laisse, je vais vous inviter. Quittez votre radio. Quittez votre radio, je vais vous inviter. Ah, pardon. Vous savez où est le patron? Par hasard? Faut patienter. Nous patientons là-bas et on attend, d'accord? Et viens, Jennifer. Viens. Non. Bah oui. Pardon? Ah. Non. On attend. Non. On passe au magasin après. Je sais pas.
Attendez, je vais aller le voir. Bonjour. Vous pouvez inviter. Ouais. Quittez votre radio, je. Bonjour. Ouais, oui. Oui, s'il vous plaît. On est venu pour. On est venu pour une petite commande, si c'est possible de l'avoir. Enfin, je sais pas s'il y en a en stock, quoi. Ce serait pour avoir deux Oracle XS et. Voilà. Les nouveaux 4x4, je suppose. Une attente de 2-3 mois. Si on vous le commande, il arrive. C'est quoi comme délai? Il arrive quand? N'y a pas un truc. Et si on paye. Si on met un peu plus d'argent sur la table là, maintenant, de suite. Moi d'avoir une exclusivité ou pas? Pardon? Si on peut l'avoir aujourd'hui. On met ce que vous voulez, le temps que quelqu'un est là. Combien vaut le véhicule? Oui. Allez-y. Okay. Regardez, je vais vous dire, je vais vous parler le bon américain comme il me semble. Enfin, je vais essayer. Si vous baissez, je vous prends maintenant. Oui. Moi, je l'ai aujourd'hui. C'est de l'offre et la demande, non? C'est un commerce. D'accord. Monsieur, où sommes-nous? D'accord, oui, je sais qu'on est aux États-Unis. On est dans un concessionnaire de voiture. D'accord. Votre métier consiste en quoi? D'accord, donc c'est l'offre et la demande. Nous sommes d'accord.
On est d'accord. Quand un client demande quelque chose, il doit l'avoir. Alors pourquoi me faire attendre? En sachant que si j'ai pas mon véhicule, je vais aller chez les concurrents. Vous n'avez pas envie que je vais chez les concurrents, vous allez perdre des chiffres. Vous comprenez? Ah, ah bon? Ah bon? Ah bon? Est-ce que. Est oui. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que vous qui travaillez en ville dans un concessionnaire voiture, monsieur? Voilà. Donc, est-ce que vous pensez que si je vais chez un autre concessionnaire de luxe, peu importe, et que je pose l'argent qu'il faut de suite, est-ce que vous pensez pas qu'il va me sortir de suite ce véhicule? Une marge de 2 millions. Oui, vous allez perdre 2 millions. Parfait. Parfait. As-tu déjà vendu plus ces deux oracles? XS. Parfait. Allez, c'est parfait. Pardon? On s'en occupera, on ira au Bénise pour ça. Oui, je connais le prix de la Roacle. C'est 35 000 une, il me semble. Ça marche, j'ai vendu. Pardon? D'accord, ça marche. Cash. Bah, malheureusement, elle a expiré, mais je l'ai pas sur moi. Mais je m'appelle Lewis. Hamilton. Bah non. Pourquoi? Non, mais ça s'écrit pas de la même façon que le Lewis. Croyez pas que. Je sais pas. Non, la blague, non, merci. Oui. Non? J'ai l'air de plaisanter là? Oui, mais je. Non, mais. Vous comprenez pas. Je n'ai pas le même. Ça s'écrit pas de la même façon. Tapez sur votre ordinateur, vous allez me trouver si vous êtes aussi bien renseigné en ville. D'accord. Regardez, regardez, regardez. Je vais faire. Je... Non, je vais faire un tweet. Je vais faire un tweet. C'est plus rapide, non? Non. Non, non, non. Non, on va pas faire ça comme ça. Par contre, évitez de vous moquer de mon nom de prénom, s'il vous plaît. Ce serait un plaisir. Je ne vous manque pas de respect, ne me manquez pas de respect. Merci. D'accord.
récupérer les papiers du certificat de conduite d'études pour l'abordage. Voilà. Et les trois clés des véhicules. Merci d'avoir être agréable, pardon. Qui c'est à moi? Ah mais si t'es pas content, on peut régler ça derrière, pas de problème. T'enlèves tes lunettes et je te casse tes bouts d'oreilles. Y a aucun problème pour ça, hein, tu sais. Y a aucun problème pour ça. Hein. Oui. Apprends à ajuster ton costume. Tes gants latex là. Oui, ici. J'appelle la Oracle. Tu peux quitter normalement. Ok, il s'occupe du truc. Je m'occupe de la Oracle. Désagréable, c'est américain de merde là. Quoi? Quoi? Bien joué. Attends, mais... Il y en a une qui arrivera, t'inquiète. Ouais, vas-y. Non. Non, non, non. Putain, il m'a dit de rouler. Attends, je l'appelle. Je l'appelle. Je l'appelle. Réponds pas. Quelqu'un peut l'appeler? Pourquoi non? Tu dis qu'on a bien les véhicules. Non, non, elle est pas en livraison, elle est avec nous, mais le problème c'est que. Bon, bref. Oui, vas-y. Andreas. Bon, par contre, toutes les embrouilles qu'on a eues, XS, Oracle, XS. Quoi? Non, c'est une 4. C'est une 4 portes. Bon. Sachez que l'embrouille qu'il y a eu, c'était fait exprès, ok? C'était juste pour que je l'amadoue, pour que son prix il la baisse et que il perd patience. Il conseille de nous faire le prix plus rapidement. Ah, peut-être elle y est plus. Peut-être elle y est plus. C'est pas grave, tu peux la croiser dans une rue des fois. Non, c'est pas la même. Non, c'est pas non. Ouais, non. Tu l'as prévenu? Je vais appeler le second. Oh putain, il avait répondu. Non. T'es pas dans cette ville de merde là? Il répond pas. Tu as un truc? Je connais pas, je sais pas où je suis là. Ah oui? Ah mais faut pas les ramener. Bah tiens. Non, tiens, attends, non, non, tiens. Regarde sur ma poche là. J'ai des tic-tac. Si tu veux. Ouais, c'est mes préférés. Oui. Sérieuse ou quoi?
Ah. Ah. Merci. Ok, Yuri. Suis-moi, ok, on va cacher les véhicules ici. On nous a pas suivis? Après, si tu veux. Ah non, là-bas sur le parking, c'est mieux. Tu fais pas de conneries, hein. Tu vois, regarde, le parking, il est là-bas, il y a les barrières rouges, blanches. Allez. Oui, vas-y. Attends, excuse-moi. Attends, excuse-moi. Tiens. Tu fais pas de drift, rien. Faut pas les abîmer. Je te connais pas trop, justement. Non? Ok, là. Non! Oh merde. Oui. Ok, super. Bon, ok. Gare-toi là-bas. On l'a bien arnaqué quand même. Ok, bah c'est nickel. Ouais, oui. Attends. Je vais carrer le véhicule. Oui, vas-y. Bah attends qu'on. Attendez, je vais essayer de l'appeler. Quoi? Quoi, Axia? T'es une de ces. Non, rien. Non. Non. Il a pas dit. Il a dit qu'on se manque pas de respect. Et je ne vais pas te manquer de respect, Vanina. T'appelles comme ça, non? Falina? Ah, Valentina, excuse-moi, pardon! Pardon! Ah, mais non! Oui, allô? Allô? Vous m'entendez? Oui. Vasily? Bonjour. On a les véhicules, on les a garés à côté du parking. Il y a une autre Oracle qui va arriver. Oui, parce que je pouvais pas vous appeler. On arrive. Faut qu'on va au yacht. Suivez-moi. Valentina! Bouge ton cul, merde. Oh, pardon. Rejoignez la radio. Le bateau est là. Oh. Ça va. Oui, vas-y. J'ai attrapé. Bonsoir. La capitaine qui est là-bas, je crois. Là-bas. Il est passé derrière le rocher. Je sais pas.
en Montaigle. Elle arrive, elle est juste au bout, elle est dans sa tête. Juste au-dessus au parking, sur le côté. On peut y aller. Bon, vous me dites si j'ai bien fait ou pas, mais c'est ma technique. Okay. On est arrivé là-bas, on a demandé si c'était disponible, et normalement c'était pas disponible sous 3 mois, le nouveau Range Rover. J'ai négocié à ma façon, le monsieur d'en face avait l'air d'être avoir un peu le sang chaud. Du coup, je suis rentré un peu dans ça. Le monsieur, pas le. Oui. Oui, bah, moi, il m'a dit Range Rover. Alors, je suis un peu rentré dans son jeu. J'ai négocié un prix en même temps qu'il était énervé. Pour qu'il soit d'accord. Et au final, bah, c'était l'inverse. Il n'a pas été d'accord au début. Et je lui dis, si je pose 1,9 million plus pour les oracles, il m'a dit, ok, les oracles, il m'a dit ça coûte combien? Je sais pas, j'ai dit un prix au hasard, j'ai dit 35 000. Il m'a dit les deux oracles pour 40 000. J'ai dit ok. Et puis le nouveau camion, c'était 1 million. De base, c'était 2 millions et 1,9 million du coup. Bah, on l'a arnaqué. Bah, on l'a arnaqué. Bah, on l'a arnaqué. Bah oui, mais y a pas assez. Mais donc l'argent qu'il a donné, capitaine, elle est où? Ah, ok.
Oui. Enfin, ouais. Oui. Je lui dis, s'il n'était pas content, je lui cassais. Bon, bref. Je lui dis, s'il n'était pas content, il avait qu'à faire demi-tour. C'est lui qui la cherche. Et elle s'en choque. Ouais. D'accord, je peux poser une question? Est-ce que vous lui avez donné vos informations? Moi, j'ai, on a, au fait, on a pas dit nos vrais prénoms. Jennifer Lewis. T'as changé? Lewis Hamilton. Je lui dis de dire qu'il a pas envie.
Merci. Non. Oui. Si, il y a des policiers. Non, je m'appelle Vadim, monsieur. Je peux. Ah, je suis avec lui? Je peux aller me mettre en civil.
Bah, tout à l'heure. Vas-y, lis. À tout à l'heure. Il saura pas. À tout à l'heure. Je vous décevrai pas. Ok, tu t'appelles comment toi? Sergueï, sûr. Ok, Sergueï. Tu vas te changer. Ok, tu vas. Oh, tu vas te changer, ok? On va les changer. Ma tenue, elle est trop voyante. On va essayer de s'accoutumer quand même. Pour avoir plus de contact. Allez, on y va. T'as quel âge, Sergueï? Sinon. Ouais. T'es vieux? J'ai 25. Pas 24, plutôt. Il a 26. Ma va c'est non, je suis très lent parce que je suis très observateur. Ok, les voitures, je les garde là-bas. Ok, je sais que les autres, ils vont vouloir des informations ultra croustillantes, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est comment se faire des papiers, comment passer permis américain, et ainsi de suite. Des choses simples. Et puis, si on peut avoir deux, trois informations croustillantes, ça peut être pas mal.
Je viens au magasin tout à l'heure. Là-bas. Américain de merde, mais j'en ai marre, sérieux. On va changer. Le but, c'est que on n'utilise pas nos armes. On n'est pas obligé d'utiliser nos armes. Non. Non, non. J'essaie de retourner au concession pour voir. Où ils se retrouvent tous là? Je sais pas. Je sais pas où ils se retrouvent tous. Pas un endroit où. Moi aussi. Non? Ça, sont méfiants les gens ici. Ok, j'ai une idée. Ok, j'ai une idée. J'ai une idée, mais je sais pas si ça va passer. Ouais, j'ai vu. OK. Ça m'apprendra à regarder le volant. Je vais regarder mon téléphone. Wow. Oui? Quoi, les gars, il y a parfois une petite embrouille toute seule, un truc qui est quoi.
parle pas les familles, d'accord. Bonjour, c'est mes amis. Bah, vous voulez pas qu'on règle ça sur un parking? Bah, juste là, il y en a à droite. Je sais pas, apparemment les collègues. Dites-moi. Bonjour. Il y a eu un petit problème avec mes collègues. Écoutez, on vient pas d'ici, on est un peu perdu, excusez-nous. On connaît pas trop la ville, donc on sait pas trop à qui s'approcher, si on doit trouver le commissariat pour des choses. Il faut apprendre à se contrôler, mon grand, mais. Bah, il n'y a pas l'air. Bah, oui. Du coup. Bah. C'est quel qui parle là? C'est toi là? Pourquoi tu as monté en l'air qui? Je comprends pas. Qui? Donc toi, grand garçon que tu as ton âge, tu vas monter en l'air quelqu'un juste parce que t'as faim d'honneur. D'accord. Bah c'est très intelligent de ta part. C'est très intelligent de ta part. 10 sur 10. Mais du coup, je vais me tourner vers ton collègue parce qu'il a l'air plus intelligent que toi, tu vois. Du coup, si je vois un peu. Ouais. Ouais, ok. Bah, tu pourras dire à ton collègue qu'il pourra se calmer pour la prochaine fois, s'il te plaît, et je ferai la même pour les miens. Ok, bah c'est nickel. Ok, ouais, c'est nickel. Bah, c'est nickel. Ouais. Ouais, c'est. Ouais, c'est. Oh, les mecs! Ah, vous savez où ça se trouve? Papier d'identité, les trucs comme ça. Et c'est où? Non, mais. Bah non, j'ai ma voiture, mais papa est là, du coup. Ah, d'accord. Tes menaces, je peux te les garder, s'il te plaît. Si tu veux faire des choses, c'est maintenant. Une vraie personne règle ses problèmes maintenant, je suis désolé, hein. Désolé de te manquer de respect, hein, devant tous tes collègues, hein. Bah oui. Oui. Oui, quoi, tu vas me sortir un pétard et puis quoi après? C'est quoi la suite? C'est quoi l'après? Ok, d'accord, pas de problème. Pas de problème. Non, non, il va assumer, il va assumer. T'as sorti un pétard, tu vas faire tes actes. On va voir si t'es un grand garçon. Allez. Allez, 98. Montre-moi que t'as des couilles, 98. Montre-moi que t'as des grosses couilles, 98. S'il te plaît. Me fais pas regretter mon choix d'avoir monté dans ce véhicule. Ah, ils vont te suivre, hein. Je peux t'assurer qu'ils vont te suivre, hein.
vois, 98? Dire quelque chose. Moi, je te fais pas de ménage, je te fais rien du tout parce que. Ok, je suis personne. Mais moi, je. Quoi? Oui. Ouais, c'est pas grave. Tu vois, moi, je suis personne. Mais je suis un gars qui dit les choses telles qu'elles sont. Si t'as un problème à régler, tu le règles. Donc là, tu vas le régler. On va voir. Vous êtes policier? Hein? Vous êtes policier, vous avez un nom de matricule. Ah ouais? Pourquoi? C'est comme ça ici, Henrik? Ah bon? Ah ouais. C'est parti en couille. Ah, mais vous êtes recherché là. Pas quand même, hein. D'accord. Ah ouais? Bien placé, quoi. Ah, d'accord. Et vous? Et vous? D'accord. Bah, très belle voiture. J'aime bien. J'aime bien la voiture. Ça vaut combien ce genre de véhicule ici? Ah ouais. Je vous jure, il sait pas où il va là. Bon, récap, on est parti pour avoir des infos. Shinobi et Bruxelles se sont embrouillés avec un gars. Je lui ai dit s'il avait des problèmes à régler, qu'il les règle maintenant. Il était avec toute son équipe, il a porté ses couilles, il m'a sorti un Tech-9, il m'a braqué. Là, il m'emmène quelque part. Même lui, il sait pas où il m'emmène. Je suis en train de le complimenter, je rentre dans sa tête. Ah, ouais. Ah oui, excuse-moi, dis-moi. Oui. Ah, moi non plus. C'est qui? Moi non plus. Moi non plus. Ah bien. Oui. Aïe, aïe, aïe. Oui. Moi, je suis pas là. Moi, je suis pas là pour. Non, 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 non. Attendez, je vais les prévenir. Je vais les prévenir. Ça va t'énerver. Ouais, faut pas que je la carte. Non, non, ça sert à rien. C'est bon, remontez, remontez. C'est bon, remontez. Ils ont été prévenus. C'est bon. Allez-y. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Moi, je suis pas comme eux, moi. Je suis beaucoup plus réfléchi. Mais
Comment vous avez fait pour avoir ce véhicule? Enfin, ouais. Oui, mais. Faut être... Ah, la drogue! Malveillance MAXXX. Et on trouve ça où? Si on veut bosser pour quelqu'un, on trouve ça où? Qui le fournisseur, tout ça? Parce que le problème, c'est que. En fait, moi, je viens d'arriver en ville. Et bah, je veux me faire un peu d'argent, vous voyez, mais le problème c'est que c'est compliqué ici, quand on n'est pas un Américain. On a pas mal vu. Moi? Turc allemand. Je suis turc allemand. Parce que... Tony. Ok, enchanté. Oui. C'est qui? Comment? C'est quoi? Vous savez, elle s'appelle quoi? Elle s'appelle quoi? Oui, oui. Et vous, c'est quoi? Et vous avez des noms, non? Parce que nous, chez nous, on a, non? Les Seven Four. D'accord. Ok. Ok, bah ok. Oui. Et vous la... Vous... Ah ouais, maintenant, bah du coup, bah oui, mais j'avais posé une question, maintenant. Bah, le physique que vous avez sorti, là, ça... C'est cher. Ah oui? Ah oui. Oh, c'est sympa ici. Oh, c'est sympa. Ah ouais. Ah ouais. Oui, c'est sympa celui-là. Après, si vous savez, si on est recherché par tout le monde, c'est un peu pas. On finit par être parano. Regardez-vous, vous êtes recherché, je sais pas combien de dollars, par exemple. Ah ouais? Ah, ok. Oh. Ah ouais. Bah oui. Pour moi, c'est. Enfin, c'est pas énorme, mais c'est quand même. C'est quand même. Voilà quoi. C'est pas rien quoi. Mais si, c'est. Pardon? Bah, moi j'en ai pas, personnellement, je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Bah, si. Bah, en fait, moi, ce que je cherche, c'est à me faire de l'argent sans passer par. Pour un chien de l'État. Pour un chien de l'État. Étant donné qu'on est mal vu, les gens avec d'autres origines que l'Amérique, c'est compliqué. Ah ouais? Ah bah, c'est super! Ah bah, c'est super! Ah bah, ah, oh, en plus! Oh, c'est original ça. Attendez, attendez, j'ai un appel ultra important, attendez.
Oui, excusez-moi, j'avais pas mon numéro sur moi, hein. Mon téléphone, c'était pas ce téléphone-là, c'était un autre. Ok, d'accord. Ah, mais c'est original ici, hein. Ah non, en Allemagne, on n'a pas ça, hein. Bah ouais, c'est vrai. Ça, moi, c'est abandonné ici. Ah d'accord. Donc d'accord. Pas. Ah moi je suis pas là pour être malveillant, juste en fait c'est pas contre vous, mais j'aime pas les gens qui font des menaces. Oui, fallait ça m'adouer. Il est bien parti. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah bah. Ah bah, rebonjour. Oui. Écoutez, moi je vais m'adresser à vous tous. D'accord? Moi je suis pas là pour être méchant. Je suis juste là pour me faire de l'argent. Mais je vais pas que passer par les choses légales parce que je sais que l'État c'est des chiennes. Je suis renseigné avant de venir. Oui. Moi c'est pas mon délire. Du coup, excusez-moi, mais j'aime pas les gens qui font des menaces et qui les appliquent pas. Du coup, bah, le monsieur l'applique. Monsieur l'a appliqué directement. Donc je trouvais ça très, très aimable. Voilà. D'Allemagne. Ouais. Je suis Allemagne, moi. Bah, parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Regardez, il y en a qui sont dans le sud de la France et ils n'ont pas d'accent suédois. Bah oui. Puis vous voyez, j'ai une veste allemande. Je vais choisir. Bah, pour faire de l'argent plus facilement, en Allemagne, vous savez, c'est compliqué. Il n'y a aucune. Depuis la Première Guerre mondiale, c'est compliqué l'Allemagne. Hein. On n'est pas en alliance avec tout le monde, on peut pas. Hein. On peut pas rien faire. Hein. Oui. Bah, le plus. Enfin. Ouais, en fait, ce que je veux. Ok. Bah, ce que je veux, c'est me faire de l'argent. Ok, ce que je veux, c'est que je veux faire de l'argent sans passer par le légal. J'ai pas de papier. D'accord. Vous appelez comment? Monsieur en costume à droite. Oui. Ok. Ok, d'accord. Ok. Oui. Bah, tout ce qu'on propose, hein. Je suis pas le décisionnaire. Bah, la drogue, ça, ça me dérange pas, hein. Vous gérez quoi? Ok, toutes les drogues du coup. Ok. Et le monsieur à droite?
Sans indiscrétion, parce que je sais pas si. Parce que oui. Oui, bah oui. Ah oui? Ah, d'accord. Et puis le monsieur qui était là? Parce qu'il y en avait trois. Qu'est-ce qu'il fout là, là? Excusez-moi, mais. Parce que ce monsieur-là, il m'a dit qu'il y avait les trois. Il y avait les trois décisionnaires. Donc je suis là. Mais. Il sert à quoi, il sert à quoi du coup? Oh, d'accord. D'accord, ça marche. Ça marche. D'accord, merci. Ah, d'accord. Mais du coup, si tu peux m'aider, tu peux tu peux oh là là, tu peux m'aider à développer de l'argent? Oui. Oui, ça peut. Et t'as un numéro? Qui? Oui, c'était moi. C'est pas bon. Et au pire, c'est pas grave, on est en train de discuter, y a rien de mal. Si vous voulez, je l'appelle, hein. Je le préviens. Non, mais si vous voulez, je mets au parleur et j'envoie pas de pause et je vous dis que tout va bien. Hein. D'accord. Oui. Bon, bah oui. Je rends les baisers. Je rends les baisers, c'est une masterclass. Attendez, je vais lui envoyer un message. Regardez mon écran si vous voulez. Regardez mon écran. Je les ai baisés, frère. Oh, je les ai baisés, j'ai toutes les infos, gros. Oui, t'as vu? J'ai marqué tout va bien. Oui, aucun problème. Bah, j'attends. Je pourrais avoir un contact pour plus tard. Parce que là. Ok. Et le monsieur qui gérait la drogue, c'est comment on fait? Non, je me débrouille tout seul. Je suis un grand garçon, monsieur. Non, ils sont pas armés. Ils sont armés? Non, ils ont pas d'armes. On est tous arrivés en ville aujourd'hui. Mais monsieur Sacha? Merci. Merci. Oui, monsieur Sacha. Ah, faut bouger d'ici, faut bouger d'ici. Faut bouger d'ici vite. Bougeons. Attends, je monte avec toi.
Bon, pour moi, ça sert à rien. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit que tout allait bien, donc. Il m'a dit pas de problème. Vous m'entendez? Au moins, voilà. Il m'a dit pas de problème. C'est pas... Tout va bien. Oui. Du coup, c'est vous qui gérez la drogue, du coup. D'accord. On va où? Je suis en train de les enculer de l'intérieur, c'est dingue. C'est qui? Oui. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je m'en fous du véhicule, je voulais que je fasse quoi avec un véhicule. Ah, oui. Bah non. Oui. Bah si c'est possible, ouais. De lui du coup qui c'est un contact à moi qui fait tourner. Pardon? Après déjà on peut se changer de numéro déjà pour rentrer. Votre monsieur m'a déjà donné. Bah je sais pas. Bah, je sais pas moi, mais. Le plus grand? Bah, vous savez, le plus âgé n'est pas souvent celui qui décide des choix décisionnaires. Bah, on va dire que je suis pas le plus grand, mais je suis le plus réfléchi. Bah, je suis le plus réfléchi du groupe. Enfin, en fait, c'est pas forcément un groupe, c'est des amis. Oui, voilà. Bah, oui.
Non, n'importe quoi, moi. Donne Ouais, quelqu'un parce que... à tuer, donne quelqu'un à tuer, j'ai rien à foutre, moi. Ok, donc c'est un mec neutre. Je suis neutre. Ok. Rien à foutre, moi. T'es armé? Ok. Non, c'est moi, Non, je suis pas armé. du coup, je sais qu'on peut... J'ai pas d'armes. Ok. Je fais la guerre de Verdun. Il arrive, j'ai envoyé la police, je sais déjà. Ah, bah, c'est un très mauvais choix. Pas parce que. Ah, parce qu'ils vont. Ils vont vous embrouiller là, du coup, et puis après ça va partir en couille. Je l'envoie, venez pas. Venez pas. Ouais, déjà, en vrai, je peux te demander plus d'argent, tu pourrais le faire sans argent, du coup. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? J'aime bien comment tu travailles. N'importe quoi. Ok. Et, bah, vu que t'as pas d'armes, moi, je tiens à peine à me contacter. Mais j'ai pas d'armes, moi. Ah, j'ai rien en fait. Après, tu parles en radio, hein. Après, tu peux pas faire un balai, hein. Non, Malade mais ou quoi? t'inquiète. Non, par contre, tous les trois, quand tu me fais, tu me fais rien. Je me rejoins, c'est bon. Je fais les baisers. Elle écrit vite. Non, T'es prêt à prendre en charge dans ta famille, dans tes amis ou pas? pardon? T'es prêt à prendre en charge dans Non. ta famille, dans tes amis, En fait, dans tes oncles? c'est pas le problème. Non, ils ont. Ben, on est tous arrivés aujourd'hui, mais le problème c'est que on n'a pas les mêmes ambitions. Du coup, ben, c'est plus compliqué. Ah, c'est pas grave, mais encore ta famille, donc. N'ai-je pas de famille, c'est mes amis. Ouais, mais quand Mais même. j'entends, en fait, Moi, ce que je veux, en gros, d'être un petit groupe, quoi. bah, c'est pas un groupe, c'est un groupe de potes, quoi. C'est. Voilà. Oui, mais un groupe de potes séparés, un peu. Toi, tu traînes avec qui? Oh là là, on est dans la merde, les gars, il y a un hélicoptère qui arrive. Moi, je traîne un peu avec tout, moi. Il est armé comme con, pas vous? Il est armé comme con, il C'est arrive les avec un flics, c'est les flics, hélicoptère. c'est les flics. C'est les flics. Ok, c'est des flics. Il est rentré quand? Il est rentré quand? C'est les flics, ça. C'est les flics, ça. C'est les flics, ça. D'accord. Je monte. Non mais c'est bon, ça va les couilles, ça va les couilles. Oh là oh là. Ah. Fais confiance, ça va pas tirer. Je verrai pas pourquoi il y aura Bon, des explosions. Pourquoi ça tirerait? Tu peux te défendre, shooter et tranquillement. ça c'est pas les flics. Sans foutre. Ça tu Allô, m'entends vous pas les couilles. m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Non, non, on n'en peut. D'accord, On n'en peut, on n'en peut. ok. Oh, excuse-moi, excuse-moi. Armée d'une mètre Excuse-moi. 50, c'est lui qui a Non, vendu pas, les non, non, pas, non, pas, non. C'est qui pour moi? Non, c'est de la merde, ils vont me niquer. La personne qui est derrière moi, là, bas là. Ils vont me niquer, ils vont me niquer. Voir, t'es grand? Ils vont me niquer, ils vont me niquer, ils vont me niquer, ils vont me niquer. Ils vont me niquer, ils vont Non. me niquer, ils vont me niquer. Ah, qui vont se prendre en main, pourquoi? Comment? Parce que tout à l'heure, j'ai explosé leur véhicule. Ah bon? Ah, mais c'est pas tes potes, alors? Il y a deux de mes potes, mais sa famille m'aime pas trop. Arrêtez pas les radios, arrêtez pas les radios. Radio, Des... Et pourquoi il y a quelqu'un de toute notre famille qui Je vient vois pour un pas, je vois un pas. Je suis en mon train de discuter avec lui. niquer. Enfin, bref, je vais pas m'occuper de ça. En gros, tu me le fumes, pas? Non. Tu Ah, vois, bah c'est parti, dans parfait, pas tu me longtemps. fais plus alors. Allez. Oh mais attends, comment on va faire? Tire pas, tire pas, tire pas, tire pas, mais t'es malade de quoi, tire pas. Arrête, on t'a l'air fou. Commence Attendez. pas à tirer, commence pas à tirer. Mais, attendez, laissez-moi parler à lui, s'il vous plaît. D'abord, Donc tout à pardon. l'heure, certaines personnes ont eu une Avance. confrontation, ou la confrontation avec votre collègue à vous. Il n'a pas de problème avec lui, mais le problème, c'est qu'il est fou Arrête, dans on la leur tête. arrête, on leur arrête, on Moi, leur j'ai arrête, pas on de leur arrête. problème avec lui, j'ai... Oula, excusez-moi, pardon, Oh. moi, j'ai pas envie de le braquer, j'ai pas envie d'avoir de problème. Donc, voilà.
Bonsoir. Bah, je sais pas, ils m'ont dit de retenir rien. Et ils viennent m'enculer. Ah, pardon. Ça marche. Ok. C'est des gens qui sont venus pour m'enculer. Enfin, m'enculer pas trop, c'est... Oui. Quoi? Ah, tu veux que je monte? Ah non, faut pas m'attacher. Je peux pas, je vais faire des crises. M'attachez pas. Je me sens mieux en sécurité avec vous qu'avec eux, donc. M'attachez pas. Oui. Pardon? Qui me parle? Ça sert à rien de s'en arriver là. Ça sert à rien. Je serai vous, ne tirez pas, hein.
Ils vont partir. Ils vont décoller, ils vont décoller. Ah, vous avez bien raison, vous avez bien raison. En fait, si vous voulez, je vais vous expliquer un peu l'histoire. Vous voyez la fille qui est là-bas? Vous voyez la fille qui est là-bas? La fille, il y a une fille. Et ben, le problème, c'est que. Enfin. C'est elle qui a voulu. C'est elle qui a voulu que je viens parce que. C'est quand même. Je suis adopté. Je suis pas voulu. Non, pas trop. Enfin, ils m'ont jamais dit, mais je le vois. Je le ressens aussi. C'est pas grave. Pas pour faire la victime, hein. Je vous explique un peu. Parce que là, tout à l'heure, je me suis mal entendu avec eux. J'ai pris un bidon d'essence. J'ai pété avec eux. Oui. Parce que il m'a manqué de respect. Tu 24. De quoi? Ok. Attendez, je vois plus rien, attendez. Attendez, je vois plus rien. 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 Je vois plus rien. Je vois plus rien. Oui. Ouais. Allez. Ouais. Ah. Et bah c'est tout. Parce que, en fait, avant j'étais dans une famille très riche. Et on va dire qu'ils s'entendaient bien. Puis moi j'étais là, et puis après bah, ils m'ont pris. Parce que c'était pas le choix, c'était une lettre que mon père avait disposée à leur père. Derek, c'est le monsieur qui a cherché sur Twitter. J'ai vu Twitter tout à l'heure. J'ai installé Twitter. Bonne application. Bah, c'est un monsieur recherché. Ah, moi, je savais pas. Bah, non, pourquoi faire? J'ai rien. Bah oui. J'imagine
j'imagine que toi tu. Que toi t'as envie de retourner avec eux, tu es obligé, tu vois. Enfin. Ah, moi je connais pas la ville. Moi ça va entre toi et moi. Oui. On va un peu les fruits de mon fond d'usage. Oui. En fait, c'est pas que j'ai envie, c'est que j'ai pas trop le choix, du coup. Combien? Il y a combien? Ok, merci. C'est sympa. Oui. Et ensuite, tu feras des convois. Tu sais, je vais t'envoyer des messages n'importe quand, je vais t'envoyer des photos n'importe quand, tu viendras. Et sache que à chaque fois, tu vas gagner de l'argent. D'accord. Il est très bien avec ton pote, mais il va monter à la tête. Bah, rentrez pas dans son jeu. Soit un truc pour te mettre mieux, pour te gagner encore plus d'argent, ok? D'accord. Parce que tu vas pas être riche. D'accord. Mais aïe, c'est pas grave. On retrouve on ah bah oui, dommage intérêt. D'accord. Je marque comment? Parce que comment je marme, moi? Comment tu meurs? Marme. Armé. Comment il s'est armé, en tout cas? Oui. Ah, ok. Des fois, je t'appellerai. Je vais te donner des armes. Voilà. C'est comme ça. D'accord. De quelle arme tu me parles? Bah, je sais pas, un truc pour me défendre, quoi. Oui. Ok, double hélicoptère, si tu as agir. Ah oui. C'est bien. Voilà, donc quand je t'enverrai des pauses, soit tu gagneras de l'argent et je vais envoyer un message à mon contact. D'accord, merci. Oui, merci. Oui, vas-y. C'est tellement fort. Oui. Oh. Oui. Désolé. Attends, je vais m'excuser parce que sinon il va. Ah, oui. Non, jamais. Ils ont prêté serment. Excusez-moi d'avoir brûlé votre voiture tout à l'heure. Pardon. Désolé. D'ailleurs. Comment on écrit clin d'œil? Je vais écrire comme ça. Tant pis. Ok, comme ça.
bon. Oui, non, c'est pas vous, allez, tu peux parler, allez. Ok, comment ça? Non, prénom. Ok, je crois que c'est pas bon. Il y en a un côté hélicoptère. Adopté. Un cartel, mais pas un gang. Je ne pas pour notre survie, c'est tout. On n'a pas de but concret, juste voilà, on se connaît, on va se lancer dans ma vie. C'est comme lui, hein. Il m'a dit, ouais, par la fois, disons qu'il y a eu. Tu as dit, c'est le canon. Canèche. Bon, c'est bon, on va pas discuter pendant 30 minutes. Aïe. Ah, du coup, on peut y aller. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bon courage. Un peu dissous de la radio. Non, il a regardé. Allez, on y va. Allez, on y va, capitaine. Ouais. Allez. Non, eh non, capitaine, faut y aller parce que je l'ai. Allez. Tu peux dissoudre la radio, s'il te plaît? Allez, hop. Eh ouais. Oh. Bon, d'accord. Coucou. Monte là. Ok, je vais vous faire un débrief, j'ai toutes les infos.
Moi, j'ai un mot à dire. Ils sont vraiment cons. J'en ai vu, hein. J'en ai vu des Mongols. Mais des Razraviettes comme ça, j'en ai jamais vu. Essayez de pas prendre les routes pour éviter qu'ils vous suivent, s'il vous plaît. Cas où. Oui. Alors déjà, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Alors, je vais vous expliquer. J'étais avec, je me rappelle plus de son prénom, et avec Costume Rouge, et on roulait tranquillement pour, oui, Sergueï, pour aller prendre des informations. Mais le problème, c'est que Yuri et Valentina, ils se sont fait encercler, et on les a retrouvés encerclés. Du coup, moi, j'ai pris des décisions indirectives de régler les problèmes. Les problèmes, c'était réglé. D'accord? Et ensuite, il y a un monsieur, malheureusement un peu égocentrique, avec des grosses couilles américaines apparemment, qui a dit des paroles qu'il fallait pas dire. Voilà. Il a dit oui, attends que je te chope. T'attends de rien pour avoir un truc comme ça. Du coup, je lui dis, après, si t'as des problèmes à régler, tu descends et tu les règles maintenant. Et qu'est-ce qu'il a fait, monsieur?
Je savais ce qu'il allait faire, monsieur. Monsieur, il a fait quoi? Il a cassé sa vitre, il a sorti un Tech 9, il m'a dit, attends, tu vas monter dans le véhicule. J'ai dit, ah, bah t'as sorti un fusil, va falloir assumer. Il me dit, d'accord. J'ai dit, va jusqu'au bout de tes choses. Il m'a dit oui. Du coup, quand je suis arrivé dans le véhicule, j'ai fait un peu la victime. Je suis rentré dans sa tête. Dans la mallette là que j'ai, il y a 25 000. Ensuite, je suis parlé avec ses collègues. J'ai toutes les. Tout... Oui. Oui. J'ai joué la victime. Parce que j'ai joué la victime. J'ai joué la victime. Je lui dis oui, j'ai été adopté par cette famille-là. Et attention, j'ai pas dit le nom, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Rien dit. Et ensuite. Non, j'ai pas dit. Moi, j'ai dit que j'étais allemand-turc. Il y a un nom qui me fait mal à la tête là. Ah, alors. Sale russe, sale russe. Vous entendez ce qu'ils ont dit? Bah, ils se sont trompés parce que moi je leur ai dit que j'étais allemand et turc. Et je lui ai dit qu'en Allemagne, il n'y avait pas tout ça. Et du coup, ensuite, du coup, je continue mon histoire. Il y a eu tous ces collègues, ils sont venus, ils ont fait blablabla, ils ont fait les grosses couilles. Vous voyez, un typique américain, mon capitaine. Oui, voilà, oui, c'est ça. Et du coup, moi, je suis rentré dans l'enjeu, j'ai fait la victime, ils m'ont donné tous les contacts, tout. J'ai les plaques, j'ai tout, tout. Je sais même lequel des messieurs là était camouflé en combinaison. Je sais qui. Je connais, oui. Non, mais parce que moi je l'ai vu changer. Attendez, attendez, et c'est pas le pire. Le pire, c'est que j'ai fait la victime, il m'a donné le contact. Vous voyez le monsieur là qui était en costume noir avec le crâne noir, avec la coupe un peu latino. Et bah lui, c'est le monsieur qui gère toutes les drogues. Et il s'appelle Sacha Sanchez. Et j'ai son numéro de téléphone. Et aussi, j'ai le numéro du téléphone du gars qui avait la K47. Et je sais où il habite parce que tout à l'heure, il a dit, oui, t'arrêtes pas à envoyer une pause là parce que c'est où j'habite. Oui. Et du coup, la centrale nucléaire, il m'en est à la centrale nucléaire, je connais la route. Ils m'ont emmené à centrale nucléaire et ils m'ont dit que là, où un jour il y a un autre vendeur d'armes, il était là, et en mode, il cache tout le butin là-bas. D'accord? Et ensuite, celui-là qui m'a braqué, c'est monsieur avec la Reinhardt noire. Il s'appelle Tony. Il a une AK-47. C'est un ancien flic Ripo. Et son matricule, c'est 98. Oui, et il est recherché pour 20 000 dollars. Et puis, le monsieur là, Sacha Sanchez, il est patron d'une salle d'arcade et il gère toutes les drogues. Et la plaque du Reblanoir, noir, j'en ai deux. Enfin, il y en a une que j'ai pas toute la plaque et il y en a une que j'ai toute la plaque. C'est celle de Sacha Sanchez. C'est 03 TTE 15. Et celle du deuxième Reblanoir, noir, du patron là, elle s'appelle 88. La plaque, elle commence par 88. Et la plaque du Camacho, quand je me suis retourné, quand vous êtes en train de lui parler, c'est 65S. KA 818, 918. Voilà. Tenez, 25 000. Donnez à qui? Tenez, monsieur. Capitaine. Capitaine. Je peux me changer s'il vous plaît, je me sens mal à l'aise. Je suis habillé en américain.
c'est toi. Vas-y. Vas-y, loue, mon frère. Ah, et oh, capitaine. Ils m'ont dit que ils vont me faire. Ah, attendez. Et, ils m'ont dit qu'ils vont me faire bosser. Qu'ils vont me faire bosser au fur et à mesure des jours, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Monsieur Sacha Sanchez, il va m'appeler pour que je bosse pour lui pour la drogue. Apparemment, je vais récupérer de l'argent, je sais pas quoi. Et apparemment, il va m'armer aussi. Voilà. Ils m'ont appelé Derek. Ils m'ont dit oui, Derek. Ah, Derek, tu peux? J'ai pas compris là. Je te jure, j'ai pas compris. Et du coup, j'ai regardé Twitter. Et du coup, je suis tombé sur un monsieur qui s'appelait Derek. Et apparemment, c'était leur grand à eux. Mais il est plus là. Il y a voilà un homme à bord là. Ah, il s'est arrivé en retard, je crois. C'est qui qui conduit le sous-marin là? Pavel. Il y a Pavel de défendre le sous-marin. Laisse-le, fais ta connerie avec. C'est qui conduit le sous-marin maintenant? C'est qui travaille ou quoi? Je m'entends radio sur le cas. Je vais pouvoir l'inviter, il est juste en... Non, je ne veux pas l'inviter. C'est ton radio. Ah oui. Faire les personnes au... Hello Yuri. Ouais. T'es où? Viens. Viens. Allez. Je suis pas comme ça. Eh, pourquoi vous m'avez laissé tout à l'heure? C'est vrai. Non. Pourquoi? Pourquoi quand je vous dis de pas venir, vous avez paniqué, vous l'avez dit au capitaine. Je lui avais dit de vous pas le dire, de pas le dire. Ah oui. Ok. D'accord. Bah ok. Bah c'est pas moi qui... Bah c'est... Ah ouais? Oh. Bah non, il m'a dit que j'allais y aller avec monsieur là. Ah oui, ouais. Ah oui. Okay. Comment ça? Bah, c'est pas à moi de me pardonner. Oh putain de merde. Oui. Bah on parle de tout à l'heure. Bah ouais, parce que c'est à cause de leur problème là. Bah. Quand je vous... Bah, non, alors déjà. Quand je te dis de pas. Bah, je t'ai pas manqué de respect là. Oui. Alors, déjà, quand je vous dis de dire au capitaine que tout va bien et qu'il n'y a pas besoin de venir, faut le faire. Il ou Yori, je vais lui niquer ça. Ouais, c'est pas. Ça. Non, mais. Je vais. Vous allez bien? Vas-y. C'est un jeu. C'est la nouvelle génération. Ah oui. C'est vrai.
Quoi? Bon, je sais pas, je viens de vous complanter. Fait chaud ici. Même moi. Moi aussi j'attends. Ok, tout le monde, c'est une proposition que je propose. Cachez-vous ici, non? Oui, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Je sais vrai ça. Je l'entends, mais il doit être haut, je sais pas. Je peux? Je peux? Ouais. Pas grave. Ça va essayer de s'infiltrer, non? Oh, il va se faire niquer. Ça va, mon ami du sous-marin. Il y en manque un, là. Il en manque deux, mais. Moi? Par concessionnaire. Ouais, c'est ça, j'ai le nom, j'ai le nom. Non, c'est là, c'est bonne force. Faire un tour en ville.
Attends, mais il en manque deux là, ils sont où? Ça va toi? Ça va toi? T'es fatigué? Ouais. Ouais, moi aussi, toujours des. Ah, je me suis fait braquer par plusieurs armes américaines. Oh, je vais te niquer. Si, regarde en haut à droite, quand tu montes tout en haut à droite, des habits. C'est quoi ce pantalon américain? C'est quoi ce pantalon américain là? C'est oh, c'est quoi ce pantalon américain? Je veux te tuer. C'est quoi ce pantalon là? Tu veux qu'on se fasse cramer quoi? Enlève-moi ça. Mais non, non, non. C'est pas comme ça qu'on s'habille. C'est pas des. Ça, ouais, c'est pas décontracté. Parce que moi aussi. Hein. Capitaine, je peux vous parler? Yuri, viens. Venez, capitaine, venez. Vous êtes j'arrive. Yuri. Bon, je vais lui expliquer, ok? Reviens. Pour rentrer. Bon, capitaine. Faut que je vous parle. Alors, ok. Alors moi, Yuri. Bon. On voudrait faire. On a un petit projet. Vu que, étant donné que. Enfin, étant donné que. Les autres, ils me prennent pour.
pour quelqu'un de différent. C'était dit. Pourquoi pas aller dans leur sens. Les détruire de l'intérieur. Leur piquer des choses, leur détourner des choses, les niquer quoi. Tout en ayant leur confiance. Mais pour ça, il faut votre accord. Moi, comment je vais procéder, c'est que d'ailleurs, déjà, je veux qu'ils ont ma confiance, que je leur donne ma confiance, et qu'ils voient que qu'ils peuvent me faire confiance. Moi, Yuri, pour Yuri, je vais me débrouiller, je vais m'en sortir. Ensuite, on les nique de l'intérieur. À chaque fois qu'il y aura une opération, un truc comme ça, je sais pas quoi, je donne toutes les infos, je vous transmets toutes les infos. On les cache, où tout se passe quand ils vont me donner des trucs à livrer. Ensuite, quand on pourra, on pètera leurs choses, et on les revendra à leur place. Par exemple. Parce que moi, je saurai où se passe, où est la cargaison. Et puis après, s'il faut faire parler des gens, on peut. On peut avoir des infos qu'on ne peut pas avoir. À méditer ou après vous réfléchissez, vous parlez avec Vasily. Bah, pas maintenant, mais quand ils vont nous demander du travail, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Et au moins, on peut les adoucir à l'intérieur. Faut qu'ils jugent qu'ils ont notre confiance. C'est tout. Oui, je sais. Mais j'ai l'impression que si t'es leur chienne, t'as leur confiance. Donc j'aurais pas trop le choix de faire leur chienne. Mais ça me dérange. Quand je parle de chienne, je parle de. Je veux dire. Enfin, obéir, quoi. C'est comme ça qu'ils ont appris les mots aussi. Chienne. C'est un truc à voir, mais voilà, faut voir ça avec Vasily. Et... Ok, capitaine, vous avez un silencieux? On va gérer. On va gérer, mec. Fais confiance. Merci. Je vous décevrai pas, capitaine. Promis. Ça n'arrivera pas. Non, arrête-toi. C'est trop bien chanté, capitaine. Hello Yuri. Je sais pas, moi. Je peux sortir? Oh. D'accord. Klaxonner. Faut les prévenir.
qu'on va pouvoir éduquer le vecteur. Le vecteur. Voilà, le petit nouveau. Il commence déjà. Tu ne perds pas tes doigts dans le dos de ton supérieur. Quand vous entendez ce tirement, c'est du bon tirement à l'intérieur. C'est bon? Je vais commencer par toi, Sergei. Là, c'était le premier jour. Je vous analyse comment vous êtes. Se détendre à l'avenir, une autre question de l'univers. Quoi? Et d'après Vasily, le nouveau, apparemment, tu fais de la merde déjà. Donc, si vous vous améliorez pas, on va prendre des mesures. Bon. Comme vous le savez tous, il y a Vasily qui par un pseudo gérant d'organisation de système avec des attaques à la tête et des chutes à la balle renforcées et tout. On a bien vu avec tout le monde que c'était des gros outils qui ne connaissaient rien du tout. Donc, pour l'instant, on ne va pas réagir, on va aller dans leur sens. Donc, il y aura des moments. Comme j'ai déjà dit en début de journée, je finis de se faire le plus discret possible. En vrai, oui. Se faire braquer par des gars en 1927 le premier soir, ce que j'appelle quand c'est une histoire. Pardon. C'est con. Au revoir, capitaine.
Oui. Le capitaine est parti, je crois. Moi, je reste en ville. Les autres. Je vais déposer. Valentina. Attends, je vais lui envoyer un message, j'y reparle parce que. Bon, elle est partie dormir. C'est bon, j'ai un bateau. J'ai un bateau. J'ai un bateau, j'ai un bateau. Oui. Non mais c'est... Bah d'accord, on va nager. Bah oui. J'arrive à vous chercher. Pardon. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Qui nage? Oui. Elle est plus endurante. Elle est
C'est pas mal à arabe. Non, je peux pas, il y a la fenêtre en costard qui est venue vers moi. Et vous l'avez fait comme ça? Non. Ah, je sais pas, je vais vous demander de se déposer en ville. Je le sens mal. T'as dit quoi? Ouais. T'as dit quoi? Non, reparle, reparle, reparle. J'ai envie de savoir. T'as dit quoi? De quoi? Ouais, pas mal la tienne aussi. Pas mal la tienne. T'as déjà fait des couettes? Bah non, du coup. Vas-y, lis. Qu'est-ce qu'on fait là?
Ouais. Bah, elle est dans le conseil, c'est tes yeux, non? Bah non. Pourquoi faire? Bah, si t'as envie de la transformer en dieu. Si t'avais de la transformer en disque. Oui. Je sais pas. Oui. Oui. Non, c'est vrai. Celui-là qui est en costard noir. Celui-là qui est en costard noir et celui-là qui arrive là. Celui-là qui est en sac. Les deux. On n'a pas nos pétards. Quoi t'as quoi? Oui. Merci.
faut attendre. En train de foutre le bordel. Ils ont tout niqué, frère. Vous êtes vraiment trop con. Vous êtes vraiment trop con. Là, on s'est passé pour des guignols. Ça part en couille. On n'a pas de gun. Ta gueule, toi. Toi, ta gueule. Toi, ta gueule. Je sais pas qui t'es, mais ferme ta gueule. Ta gueule. C'est pas intelligent, c'est pas intelligent. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi avec ton pétard? Bien d'avoir un pistolet, mais il faut avoir le cerveau qui suit. Et lui aussi, vu qu'il en a pas. Ah, tu lui passes. D'accord. On n'a pas, 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 on n'a pas. On n'a pas, on n'a pas, on n'a pas. On n'a pas parce qu'il y a un putain de golemon qui s'appelle Fedor. Fector. À part la voiture. Quoi, tu vas encore râler, princesse? T'as dit quoi? Eh ben, gars, je te souhaite à descendre, au pire. Mais que tu vas le faire. Très intelligent. Il est vraiment con, celui-là.
devoir aller le rechercher parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Je vais devoir aller le rechercher. Ah ouais. Oh là là, allez, va chercher ici, moi je connais rien. Et où ce mongol? Il est là, regarde-moi ça. 5 secondes. Ça va, princesse, ça finit ton caprice. Que j'ai un tatouage. Ouais. Non, même j'aime pas. Enfin, je sais pas, j'ai grandi comme ça. T'as pourquoi t'as des cheveux, toi? Ton tatouage sur la joue là, on dirait un balas, on dirait rien. Bah, je préfère avoir un tatouage sur le crâne qu'avoir un tatouage sur la joue. T'as mangé une faciale sur la joue, quoi. T'as sucé pour avoir un tatouage sur la joue? Un as de pique, pourquoi faire? Deux as de pique. Oh, le tueur! Pardon, il a tué des gens. Ah, oh, j'ai peur. Waouh, incroyable. Tu m'as l'air bien intelligente. Bah, russe, tout court. Il y a russe. Ça existe, les russes noirs, hein. Ah, ça existe. Y a pas ton âge, je crois. T'as une bonne répartie, c'est pas mal. C'est pas mal. Wow, alors là, faut m'expliquer qu'est-ce que j'ai fait. Hein. Faut m'expliquer, hein, parce que. J'ai pas compris. Bah, je me gare ici, moi. Je connais rien, moi. Je connais rien ici, moi. Ah oui. Oui.
Oui, monsieur l'agent. Bonsoir, monsieur. Alors, d'abord, je vous pose une question. Pourquoi est-ce que vous prenez des questions? Pourquoi est-ce que c'est la quatrième fois que vous faites des choses de professionnels? Et... Ah ouais, c'est ça. Non, attendez, non, mais est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est interdit? C'est interdit de rouler? C'est interdit? Répondez à ma question. C'est interdit ou pas? C'est interdit? De rouler? Oui. Ça vous paraît suspect? Ah ça. Ah bah y'a rien de suspect, voilà. Au cas où. Ah bah oui, bah je me disais bien feu rouge. Bah oui. Bah si vous respectez rien, je vais respecter. Si va la vie. Ah oui. Parce que là, la princesse, elle commence un peu à s'impatienter, là. Et voilà, elle a fait sur quelqu'un nerveux. Oui, écoutez, monsieur, on recommencera plus. Bonne journée. Oui, bah je vais aller chercher. Ils sont malades, mais ils sont malades. Allez, Blanche-Neige, monte. Je savais pas que c'était illégal de rouler autour d'un concesse. Il va psychoter. Il va sortir de la K47. Ah non, parce qu'après tu as payé des amendes. Voiture américaine. Classique. Un Brabus. Non. Ça doit tourner. T'as un voleur. Bon courage pour la suite. T'as chaud. Attendez, hé, les gars. Pourquoi ils nous sont mis nous trois dans une voiture? Pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Qu'est-ce qu'il me veut là? Oui, c'est moi, oui, c'est moi. Comment ça bouge pas? Comment ça je bouge pas? Toi, tu sors pas. Faut pas. Faut pas. Faut pas. Faut pas. Faut pas.
Fais pas. Des témoins. C'est sûr, ils vont nous suivre. Non, mais c'est sûr. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Non, non, il fallait dormir. Faut que j'aille dormir. Si. Si. Allez. Allez, car arrêtez. Je sais que vous allez faire de la merde. Ça sert à rien. Ça mène à rien. Bon, bah. On parle pas radio. On parle pas radio. On parle pas radio. Non, mais les gars, si, si. Ah, les gars, non, écoutez-moi. Et voilà. Attendez, écoutez-moi. Si vous faites de la merde, je pourrais pas avoir les informations. Je pourrais pas rentrer dans leur tête. Vous comprenez ou pas? Non, c'est pas le meilleur truc à faire. C'est pas le meilleur truc à faire. Ouais. De quoi ta voiture? Non? Non? Bah oui. Ça, je sais pas, hein. Ouais, oui, je suis là, je suis là, je suis là. Je vais rester sur le yacht. Je vais rester sur le yacht, je vais réfléchir. Tu restes avec moi? Faut pas faire ça, je travaille pas, je pourrais pas avoir les informations. Faites comme bah il a expliqué tout à l'heure. Si t'étais là, si t'étais là. Bah ce qu'il a dit capitaine. Faut attendre, faut être patient. Vous l'êtes pas. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Oui. Ah, je vais rester sur le yacht. Hein. Je crois.
À demain. Ouais. Sergueï. Bon, allez, puis nique sa mère, hein. Allez. Non, je rigole. Je rigole, oui. Je veux au yacht. Rejoins mon yacht. Ah merde! Ah merde! Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un a le. Si vous voulez, je peux le déplacer, le yacht. Hein. Vas-y, lis. Je peux déplacer le yacht si vous voulez. Hein. Ah ouais? Ouais, vous voulez qu'on aille où là, du coup? Je vous attends. Faut pas que je traîne avec eux. Ils vont mener à ma perte. Ils vont mener à ma perte. Ah, j'ai ramené ça vintage. M'a pas invité à la radio. Ah, mais il croit que je suis parti avec eux. Je peux marcher avec eux. Ouais, t'es où, Yuri? Moi aussi je suis. Oh, je crois que t'es à l'autre bout. Ah, t'es à l'autre bout, t'es à l'autre bout. Viens, viens, je suis au parking. À rien. Le capitaine, il les a dit de se déposer, on peut plus les prendre, je crois. C'est en train de faire de la merde. Ils vont se faire niquer. Et je vais essayer de les. Faut que j'essaye de les raisonner. Je les mets, je les recadre. Ça va. Je les recadre. Envoie le volant. Je sais où aller. Je les recadre tout à l'heure. Il faut que j'arrive à les raisonner. Hein. Il faut que je me grouille. C'est bon, Yuri? Parce qu'elle est en train de faire de la merde dans Twitter. Hein. Sinon, demain, on est mort. Ok, tu vois quand. Oui, attends, écoute. Tu vois quand. Quand les gars là, les autres gars là, qui font les couilles, grosses couilles, tu n'es pas mon frère. Faut pas que tu dises que t'es mon frère. Je sais pas si. Tu m'aimes pas. Juste tu m'aimes pas. Je leur ai fait croire que j'étais adopté. Que. À cause de ma famille qui est morte. J'ai inventé un truc.
Putain, 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 putain. Je l'empêche de faire de la merde. Yuri, t'es là? Tu peux réparer le véhicule ou quoi? Dedans, vas-y, quitte, on renvoie le volant. Vas-y, monte. Non, 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 droite, droite, ouais, droite, vas-y, non. Ta gauche, sur ta gauche. Gauche encore. Gauche, tout droit. Attends, attends, attends. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Vas-y. Oh, je la cherche. Fait chier. Bon, bah, je pense qu'on va aller se coucher, hein. J'ai beau les chercher, je les appelle, ils répondent pas, donc ça sert à rien. Faut aller se coucher, Yuri. C'est à cause de vous en plus. C'est elle. Je vais la niquer. Je vais la niquer demain. Oh, je vais la niquer. Alors, essayez tout ça la bagnole. Touche pas la voiture. Pendejo? Ça veut dire quoi, pendejo?
Ah, la peine d'héros. Prends pas en photo, toi. Prends pas en photo, toi. Allez, rentre dans la voiture. Non, on va yacht. Allez, bonne nuit. Bah, dors. Bah, t'es con, mais monte là. Yuri. Allez, il va se dormir. Et bah, allez, dormir, moi.